Christophe, tu me reçois là? Est-ce que tu me reçois? Christophe, est-ce que tu me reçois? Ah. Attention Christophe, là, est-ce que tu me reçois? Dommage. Bah, écoutez, c'est de bon augure. Christophe, 14 Romeo Charlie triple 9. 14 Romeo Charlie triple 9 pour Patrice. 14 FDX 213 au départ de l'activité Sauta. Est-ce que tu me reçois? Attention Christophe, 14 Romeo Charlie triple 9. Christophe, est-ce que tu me reçois? Ok, salut, c'est Patrice depuis le départ d'un Sauta, le Mont Aurélien dans le Var. Je suis dans le Var là. Mais je suis très étonné, tu dois être en hauteur. Hein. Voilà, comment tu me reçois? Ouais, ça va, il n'y a pas de signal, mais la radio est très bonne, parce que c'est des bonnes amitiés à toi, 73. Ça va, ça se passe bien? Bah écoute, je viens de mettre le sac à dos, je vais m'apprêter à monter, à grimper là. Voilà, il y en a pour un petit moment, une bonne heure, je pense. Et je pense que de là-haut, on se contactera dans de bien meilleures conditions. Voilà Christophe, je te laisse, j'attaque parce que j'en ai pour un petit moment. A plus tard sûrement. Canal de Provence, le canal de Provence qui alimente en eau entre autres la ville de Marseille. Ah, elle est claire, il y a même des poissons au fond, je sais pas si on les voit. Sympa ça. Ah, il y a plein de poissons hein. J'ai fait la moitié, hein. Un tout petit peu plus de la moitié. Je sais pas si on voit, ma tronche dans le fond. Voilà. La flèche rouge, c'est là où je suis. Bon, le point bleu, là, c'est rien. Je dois faire ça encore. J'ai raté une grenouille. Eh. Encore une. Allez, presque au sommet. Yes. Ah, bien reçu là, j'ai mal repris là. 14 Lima Romeo. Le sommet. 13 mobile. 14 Lima Romeo 13 mobile, c'est bien, je vais faire 15 PMR. Ah voilà, un chac nature, un chac nature naturel. Putain, l'antenne elle tourne. Bien, j'ai fait le rapprochement, mais voilà, la bombe me disait quelque chose.
à quelle distance on se trouve à la ville la plus proche, moi, c'est Bédarieux. Si tu peux jeter un coup d'œil sur Internet, je suis à une dizaine de kilomètres de Bédarieux. C'est la ville la plus importante, on va dire, et le département, c'est le 34. J'ai regardé pas plus tard que la semaine dernière là, tes vidéos qui sont bien sympas. Là, j'y suis tombé dessus par hasard et en fin de compte, j'ai fabriqué à peu près la même antenne que toi, donc c'est pour ça, ça m'a ton antenne avec un tube de PVC là, et les petits qui est pliable, parce que je fais pas mal aussi de montagne. Voilà, donc j'ai fait quelques tombées ces derniers temps, mais j'ai fait une activation au Mont Canigou. Il y a quelques années, j'ai fait une activation un sautaman. Au Dôme des Écrins. C'est un sautaman. Et là, cet été, le 23 ou 24 août, je ne sais plus exactement, je serai au sommet du Mont Blanc, si tout va bien. Ah yes. Voilà, avec le petit PMR là. Et peut-être un VFT 817 aussi là, pour activer brièvement là, sur le. Donc. Et ouais, une bonne alimentation, c'est très important. Bon appétit. Le paradis sur Terre. Le paradis sur Terre. Il fait beau, je suis à l'abri du vent, il fait chaud, il y a du monde en fréquence, c'est génial. Oui, la station a un contexte. Pas de problème. Eh bien, ce matin, je vous ai prévu, on a failli faire un cuisseau. On a échangé deux, trois paroles, en fait. Le problème, j'étais en train de faire des essais avec une petite directive 5 éléments 9 dB sur le 446 et j'étais attaqué au walkie. Donc, maximum 5 watts, mais en réalité, plus près des 3 watts que des 5. Voilà. Ok Ghislain, tu es juste en face de Saint-Chamas. Bah, écoute, je te reçois très très fort et très clair. Tu es 59, hein, à fond de ballon. L'antenne, elle est l'antenne, elle est posée carrément dans le buisson là. Elle est carrément posée dans le buisson et du coup, ça fonctionne quand même. Ah ouais, non, il y avait trop de vent, hein. trop de vent et c'était infernal. Voilà Ghislain, à toi. Ouais, ben affirmatif. Eh ben écoute, moi j'ai rien déployé encore, tu vois. Le Takiwalki est dans le sac à dos avec l'antenne Nagoya qui sort là. Et d'ici 5 minutes, je vais tout déployer. Je vais mettre ma 4 éléments là sur le mât et puis on va essayer de faire des contacts avant qu'il y ait un orage. Pour démonter l'antenne. Très simple. Hop, hop. Opération terminée. Ça a dû prendre, je ne sais pas, 10 secondes, 10-15 secondes. Allez, je range tous les éléments là-dedans. Le petit bouchon. Pour éviter que ça sorte. Terminé. Bien, ben nous sommes sur la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Ce fut aujourd'hui un réel plaisir de trafiquer en PMR, puisque il y avait quand même pas mal de monde. Donc c'était très très sympathique. Voilà, pas mal de promeneurs également. Et un temps absolument magnifique. Bon, il y a quelques nuages qui sont en train d'arriver. Mais c'est pas grave puisque je vais redescendre. Voilà, encore une fois merci d'avoir regardé et je sais que mes vidéos donnent envie de sortir et d'aller sur des points hauts. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite, je vous encourage même à le faire et je vous remercie de les regarder ces vidéos et tant mieux si ça vous donne envie. Voilà, 73. Et à bientôt pour d'autres aventures.
putain, je l'ai pas volé. À la vôtre. À la bonne vôtre.